Bonjour, eh bien, nous sommes à quelques minutes du top 20 et nous sommes avec une des participantes de la catégorie Amateur 1, Carole de Coninck. Alors Carole, quelle impression ça fait d'évoluer sur la grande piste d'Equita ? Eh bien, c'est très impressionnant et je suis vraiment ravie d'être sur cette piste parce que je pense que j'aurais peut-être pas forcément d'autres occasions de le faire. Et voilà, je suis très contente de participer sur cette magnifique piste. Donc là, ça va être la deuxième manche. Comment ça s'est passé hier ? Après un début un peu chaotique pour arriver jusque-là avec une reconnaissance ratée, ben pas trop mal, on finit sans faute, avec pas très très vite, mais sans faute en 8e place, donc assez bien placé pour la deuxième manche. Comment on se prépare à ce concours un peu particulier ? Eh ben, on essaye de pas trop changer nos habitudes de la saison et puis de rester assez serein et de donner le maximum avec un cheval qui va donner aussi le maximum de ses capacités. Un petit mot sur ton cheval. Dis-nous depuis combien de temps tu l'as, comment il s'appelle ? Alors c'est Ryan de Vizy, je l'ai depuis qu'il a 4 ans. Il a tourné en cycle libre avec moi, je suis la seule personne à le monter, voilà, on se connaît quand même parfaitement bien maintenant. Un petit peu difficile parfois à gérer au paddock, mais toujours adorable et il donne toujours à 100%. Et lui, il est content d'être à Equita ? Je pense qu'il s'y plaît. D'accord, eh ben, on va vous regarder tout à l'heure. Merci.